matin, je me suis réveillée avec une idée. Ah, cool, explique. J'aimerais bien qu'on présente une recette insolite. Je vois. Quelque chose de rigolo, de ludique, comme... Un trompe-l'œil, c'est ça. Ah, découvrons ensemble avec le jeu du mercredi. On va bien s'amuser. On se lave les mains et direction cuisine. Pour les faux blancs, il faudra 250 g de blanc de poulet coupé en morceaux, 2 blancs d'œufs, 150 ml de crème liquide, du sel et du poivre. Je mixe en plusieurs fois, très finement, les blancs de poulet. Je mélange avec les blancs d'œufs. J'ajoute la crème liquide, le sel et le poivre et je mélange pour obtenir une texture bien homogène. Je répartis la préparation dans le moule à œufs et je mélange délicatement avec la spatule fine pour ôter les bulles d'air. Ça part dans le bas du four préchauffé à 150 degrés pendant 20 minutes. Pour le faux jaune, il faudra un jaune d'œuf, 30 ml de moutarde, une pincée de safran, du sel et du poivre, puis 150 ml d'huile. Je fouette le jaune d'œuf avec la moutarde, le safran, le sel et le poivre. Je verse petit à petit l'huile pour obtenir une mayonnaise. Je poche la mayonnaise sur les faux blancs démoulés afin de former un faux jaune. Ah ben ça fait bien la blague. Oui, Tupperware est très fort pour les recettes rigolotes. Sur un lit de salade avec un pain grillé, ça fait son effet. Comme toutes nos recettes, n'hésitez pas à la réaliser avec vos enfants. Partage, amusement et joie garantie. Il est déjà l'heure de vous laisser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.